la 25e édition du festival Jean Carmé a officiellement débuté au cinéma CGR de Moulins, un événement incontournable pour les cinéphiles, petits ou grands. Avec plus de 10 000 spectateurs l'année dernière, le festival prend chaque année plus d'ampleur. Un événement qui met en avant les seconds rôles, les talents de demain et qui propose de nombreux films en avant-première. Un festival qui s'est fait un nom dans le milieu du cinéma et un succès qu'avait pressenti son fondateur, Jean-Jacques Richard. Oui, parce que je me souviens avoir discuté avec le responsable de la DRAC qui nous avait dit, on en était au troisième ou quatrième festival, qui nous avait dit, vous espérez aller jusqu'où? J'avais dit, moi, mon espoir pour une ville comme Moulins, pour une agglomération comme l'agglomération moulinoise, c'est d'arriver un jour à avoir 10 000 entrées. Si nous arrivons un jour à ces 10 000 entrées, nous pourrons dire que nous avons réussi. Ça a été le cas l'an dernier, il a fallu attendre 24 éditions, mais nous y sommes arrivés. Donc, c'était l'espoir qu'on avait. Sur le ton de la plaisanterie, Céline a dit tout à l'heure, et cette année, ça sera 20 000. Bien sûr que non, on sait très bien que ce n'est pas possible. Mais au moins maintenir les 10 000, et j'espère même progresser encore un peu. Il le faut. L'une des actrices de l'ombre de ce festival, c'est Céline Richard, qui travaille dur toute l'année pour visionner et sélectionner les films, courts ou longs, qui entreront en compétition. Oh, c'est toujours un peu stressant de dévoiler son travail, mais aussi très excitant de voir les réactions, de pouvoir enfin dire « oui, tu vas voir, ce film est génial, j'espère que tu vas venir le voir ». Après, cette année, il y a des films très très forts comme Les Misérables, qui va représenter la France aux Oscars, qui est un film qui va passer pour la nuit du cinéma le samedi soir, qui est un des meilleurs films français que j'ai vu ces dernières années. Un des meilleurs films tout court d'ailleurs. Et lors du festival Jean Carmé, on ne fait pas que voir les films, on peut aussi rencontrer les acteurs, réalisateurs et équipes techniques de plus en plus nombreuses à se déplacer. Il y a des rencontres, s'ils viennent, c'est pour rencontrer le public. Alors en fait, sur la compétition second rôle, il y a 8 longs métrages et 6 réalisateurs viennent. Donc il y a Sarah Souko, la réalisatrice des Éblouis, Jessica Palu de Revenir, qui a eu le prix du scénario à Venise, là, il y a juste 2 semaines. Il y a également Stéphane Desmoustiers qui vient avec son film La fille au bracelet, qui est quelqu'un qu'on suit depuis ses premiers courts métrages, qui était venu avec son premier, qui vient là avec son deuxième long métrage. Il y a également David Perrault, qui est aussi un réalisateur qu'on suit depuis son premier long métrage, qui viendra. Ils viendront certains accompagnés de leurs comédiens. Un festival auquel participent également de nombreux scolaires et qui laisse la part belle aux jeunes cinéphiles recrutés pour composer le jury junior. Un festival attendu de longue date et dont la clôture se déroulera le 15 octobre prochain.